là-bas, il y a les singes qu'on vous montrera tout à l'heure en passant. Et ça va être cool. C'est un train maman. Il est là, vous voyez. C'est un petit tamarin. Il est rond. Il est rond. Et ici, on a un autre. C'est un steaki, après c'est bon. Et donc cette serre-là, c'est quoi cette serre? Les serres sont classe. On peut voir des animaux là-bas. Normalement, on est censé voir ici des chimpanzés. Là-bas, il y en a. C'est des chimpanzés, c'est marqué sur la vitre. Oh bah, je sais pas lire, ok. Voilà. Donc là, il y a des chimpanzés et en voilà un deuxième. Merci. Voilà. Regardez-moi ces petits bébés. C'est pas trop mignon. Et là, normalement, c'est un orang-outan, il me semble, ouais. Un orang-outan. Oh, il y en a qui posent une belle pose là. Okay. Je sais pas trop ce qu'il demande. Mais voilà. Et si vous en avez un autre, juste au-dessus. Je vais essayer de vous prendre de l'autre côté. Vous en avez un là. Il y en a un juste au-dessus, regarde. Juste ici, il y en a un. S'en fout, venez, venez. Alex me quitte. Regardez-moi, c'est une bébé. Comme il est beau. Toi aussi, Fauri, t'es filmé. Quoi? Le pauvre. Traumatisé par deux gogoles en téléphone. Non, mais il a vraiment couru après une voiture arrêtée. Regardez la minimerie de cette chose. Il est pas trop mignon. Est-ce qu'on sait ce que c'est, Alex? C'est un Ouistiti argenté. Bah, lui, il est là, il y en a plein en fait ici. Mais avec le reflet, vous pouvez pas voir. Ah si, vous pouvez voir là-haut. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est, ça c'est des tamarins. Voilà. C'est cool. Bon, en fait, on pensait que c'était le truc des serpents et tout ça, mais ça a l'air plus d'être le truc des singes. À moins qu'il y ait une partie serpent qu'on a loupée et qu'on va aller rattraper. Je sais pas où ils sont. La souris a disparu. Et regardez-moi ce petit singe qui est en train de manger. Ok. Tamarin empereur barbu. Il a une barbe, comme mon chéri que vous montrez tout à l'heure, Gérard. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas Gérard. C'est son cousin Germain. Alors en fait, on s'était pas trompé du tout, le vivarium est par là. Juste, on savait pas trop où on était. Donc, le vivarium. C'est parti. Et normalement, est-ce que c'est ici où il est censé y avoir des iguanes, etc. Ou c'est l'autre? C'est l'autre. C'est l'autre, mais il y a plein de façons. Ah, ça sent très... Là, c'est ce qu'on est. Il y a du monde dans ce vivarium, mais il y a du monde. On va vous montrer, je pense que je vais vous montrer les principaux. Là, on commence par celui-là. Regardez-moi ce bois. La belle bête. On a deux belles bêtes. Et derrière, il me semble qu'il y a une belle bête aussi. Regardez-moi ce petit lézard taillé. Il est posé. Non, moi je suis un marron. Voilà. Alors, toi, par contre, un bois ça tombe pas dessus, mais un marron, il n'y a pas de soucis. Quoi. Le crocodile, il est là-bas. Il est beau, mais il est beau. Mais il est beau. Ouais, regardez-moi ça comme il est beau. Sur le petit il fait un peu. Ce qui fait un peu trop chaud. Du coup, on va faire l'autre. Donc, c'est plus les poissons, les raies, tout ça. Et j'ai trouvé la porte. Non, en gros, c'est ma faute si tu te perds, c'est ça? Peut-être. C'est pas du tout, moi. C'est un aquarium de base. C'est un aquarium. Mais c'est pas peut-être que ça, l'aquarium un musical, aquarium. En fait, non bah, alors, depuis tout à l'heure, vous avez raison. Mais je sais pas. Mais il me met dans le j'en peux plus de cet homme. Non, mais plus concrètement. En fait, je crois que le plus ridicule, c'est quand même. C'est un peu ça. Et les gens nous regardent un peu chelou aussi. Ah, mais il y a plein de trucs mignons. Par contre, je vais vous montrer les singes le temps qu'on arrive au vivarium. Donc, on part vers la serre des gorilles et des lamantins. Et là-bas, il y a des gorilles, mais on ne les voit pas parce qu'ils se sont mis à l'ombre. Tout simplement. On est arrivé, ouais, dans une serre qui ça passe encore. Donc, c'est ici qu'on peut se prendre des animaux dans la gueule. Donc, on fait attention. Et si on croise des iguanes, ben on pleure. D'accord? Donc, là, c'est les singes, les gorilles, il me semble. Regardez-moi ces colosses. On entend bien Alex faire écho derrière. Coucou Alex.
Donc ici, c'est les gorilles, ouais, c'est... Franchement, j'ai kiffé leur tâche, c'est vachement... C'est du bon travail. Et est-ce qu'on fait le bas et après le haut? Comme tu veux. On va faire le bas et après le haut. Je pense qu'on est là-bas, c'est pour faire le bas. Ouais. Mais je sais pas, ici, il est censé y avoir quelque chose, mais il n'y a rien. Je suis un peu... Ça sent le poisson. Ah, faut qu'on vous montre ça. C'est des raies, les gars. Et là, il y a un canard, enfin une espèce de canard, là, qui, ce matin, s'est foutu de notre gueule. Tout simplement. En fait, dans cette espèce de ruisseau... Le canard s'est foutu de notre gueule, ce matin. Et on a essayé de l'approcher, et il s'est barré. Il s'est envolé sans aucun problème. C'est bon. Bon, c'est super bon, par contre, là-bas, on va vous montrer. Il y a des bébêtes un peu chelous. On va partir sur le truc que j'aime le plus. Est-ce que c'est pas trop beau? Ah, c'est trop bon. Et ça, c'est la... Alors ça, c'est la femme à Alex. Oh putain! Pas cette grosse chose, mais un petit poisson là. Et la femme d'Alex, vous l'avez vu sur mon Instagram. Normalement, c'est peut-être une photo d'Alex. En fait, c'est bon, là, c'est un poisson. Absolument. Je vais quand même vous montrer ce qu'est bête. C'est classe. Des poissons juste énormes. Et, il me semble, je crois que c'est propre avec le sac, Alex, c'est pas grave. Mais il y a une tortue, il me semble. C'est tout mouillé. Je me rappelle que dans Animal Crossing, on peut jouer. Regardez comment elle se tapette. Regardez-moi ça. C'est énorme. C'est juste gigantesque. Vous, ça vous semble peut-être tout petit à l'écran, mais alors c'est juste énorme en fait. Il y a un trou là-bas? Il y a un trou, non, il n'y a pas. Il y a un trou là-bas, très bien. Si oui, il y a un trou. Il y a un trou. Voici un autre aquarium. Il me paraît... Mais il était rempli celui-là, ce matin. Oh, bah, bonjour monsieur. Ah bah, Alex. Alex, il y a un monsieur qui est en train de nettoyer un plongeur. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de poisson. Suis-moi. Oh, coucou toi. Je pense qu'il va avoir une sacrée surprise, le plongeur. Suis-moi. Il est là. Bonjour, monsieur le plongeur. Il va aller là. On va monter l'escalier. On a fait se casser la gueule dans l'escalier. Voilà, donc ça c'est... Oh, le lamantin est monté à la surface. Elle est repartie. C'est juste trop joli. Et comme ça, on dirait l'état de tort. J'ai toujours peur qu'il y ait un iguane qui me saute dessus, vraiment. Je kifferai en même temps, j'ai peur. Tata. Voilà. Tu dirais une jolie comment, Alex, il y a un iguane qui me saute dessus. Ça, c'est toutes les bêtes qui peuvent vous sauter dessus dans cette putain de serre. Ça, ça nous a sauté dessus, mais pas encore ça. Actuellement, Alex, il y a là. Regardez, c'est juste. C'est juste incroyable. Il y a un truc qui a touché ma tête et je suis en train de prier pour que ce soit pas une bête. Ça on est sorti. On vous montre pas tout avec Alex. Désolé, je vous ai fait un gros zoom, je remettais mes fonds là. On vous montre pas tout avec Alex parce qu'il y a trop de trucs à vous montrer. Finalement, il y a beaucoup trop de monde. C'est pas parce qu'on est en vacances. C'est pas mal. En période de vacances. Et du coup, les gens, ils sont en vacances ici, donc ils affluent. C'est un peu compliqué de tout vous filmer. On vous filme le principal pour vous donner envie d'y aller. Là, on va peut-être passer vers les otaries avec un peu de chance pour vous les filmer hors spectacle.